comment réaliser et présence dans le pays d'Haïti actuellement, président Guy Philippe? Et, vous connaissez, dans quelle situation pays nous est, et j'en dis, la situation est difficile pour le peuple, non? Et nous traversons un mauvais moment dans l'histoire, non? Mais en même temps, et nous avons un peuple qui vraiment veut changement. Et nous avons que, en 4 mois, 3 mois que nous retournons là, comment la population haïtienne, que la diaspora, que le sous territoire haïtien, comment elle camper dans l'objectif. On met le système dans pardon? On met le président. Oui, m'dabdou, et oui, ouais, que tout haïtien veut changement. Tout haïtien veut pour système ça et ben, place en l'autre système. Ni trop, misé à trop, et honte que n'a pas tout partout dans le monde trop, humiliation trop. Donc, peu haïtien veut changement. Malheureusement, m'dabdou, malgré toute bagaille, nous fait toute motivation, mobilisation qui fait, j'en diaspora à camper, j'en mon en Haïti camper, Haïti mon frein. Le plus souvent, haïtien toujours dit, c'est si au Libanais, c'est mulat, c'est monde qui est cobre, c'est classe politique, c'est médias. C'est vrai, tout ça au pourri, oui. C'est vrai que médias haïtiens n'ont pas bon, ils n'ont pas travail, ils pas bon. Et c'est travail tout l'a fait avec les grandes puissances, oui. Ou bien au grand pour qui ça, pour qu'il y ait un petit job. C'est vrai que l'élite politique n'ont pas bon. C'est vrai que l'élite économique n'ont corrompu le pas bon. C'est vrai. Mais nous avons un gros frein. Il faut que le peuple comprenne ça. Il faut que nous mettions dans la tête. Ça que fait Haïti pas capable joindre autre aujourd'hui, elle pas gagne l'autre nom que ambassade américaine que États-Unis d'Amérique. Donc ça... c'est États-Unis d'Amérique qui va appeler Haïti joindre autre. Et ça moi dit le prendre pour me dire parce que ça moi pendant me vienne là. So, ça veut dire que ou assumer que plus gros problème Haïti actuellement là pour Haïti ta évoluer, c'est problème ambassade américaine qui pas d'accord que Haïti ralent souffre dans sa lier là. Oui, c'est États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade là, à travers l'ambassade là, qui a fait tout le temps pour le quimbé pied sur Haïti. Parce que c'est le même problème République démocratique Congo gagne aujourd'hui à la. Ou est dimanche là, il a essayé de faire un coup d'État au Congo. C'est la même raison qu'il faut écraser le Congo aujourd'hui, qu'il faut camper comme ça en Haïti. Ils ont empêché que Haïti joue un autre. Premièrement, ils ont organisé l'insécurité dans le pays. Ça n'a pas aucun doute là-dedans. Ils ont fait 90% d'âmes. Et qui rentre en Haïti, tout le monde connaît, c'est les États-Unis, ils sortent. Si les États-Unis devaient camper, question d'amnan, ils tapent camper là. C'est eux qui ont armé délinquants, c'est eux qui ont armé monsieur Axam, qui a fait tout ce qu'il a fait là. C'est eux qui font corruption. Ils ont toujours mis tout. On met parler. Allô? Ils ont mis continuer à parler, on a tout ce que c'est. Ils ont toujours choisi politiciens plus corrompus, plus capables de contrôler. Ils ont mis dans une position clé, ils ont même continué à faire ça, Pierre. C'est-à-dire voler tout ça à nous gagner dans le sous-sol. Non. Ok, bam, son bagage. C'est pas parler, je parle mal. Je ne suis pas américain, je suis anti-américain. Okay. Je suis pour me clé pour tout le monde. Je suis pas anti-américain. Mais son réalité, son constat, peuple nous a mouru grand, peuple nous a red, bagage là, du. Il est impossible pour nous vivre. Mais, si on te voulait, on te cap aider nous. Mais on refuse de faire. Président, bam, dis un bagage. Je pense que l'homme moun soi-disant peut-être grand moun la kayou, si ou pas ouvri porte ba ou moun rentre, moun n'a pas gen doit rentrer dans kala vin fè sa le vle. So pense de ça. Ça veut dire que si pas de gon porte qui ouvre, si pas de gon porte qui ouvre. Nous pas baye tête de menti. Depuis 1994, pas gen Haïti encore. Question à souveraineté, Haïti pays souverain, il va exister. Depuis 1994, le président Clinton rentre avec 23 000 Marines, yo krasé l'ami d'Haïti. Yo bon en police formé à la va-vite, en pile là dans au second Guantanamo, yo formé pendant 2 mois, l'autre yo dans 4 mois, yo crasé système sécurité pays a, yo crasé production nationale ou, ensemble avec nèg yo vini, yo mettez sous pouvoir, et yo font un ajustement structurel qui crasé pays a, yo participé, encouragé et supporté tout débat qui fait yo, débat coopératif. Vol l'argent reconstruction. Vol l'argent reconstruction Haïti. Donc, nous ne pouvons pas parler comme si Haïti est un pays souverain. Depuis 1994, on ne peut pas être chef de la police, par exemple, si ce n'est pas Américain qui mette. On ne peut pas être ministre de justice si ce n'est pas Américain qui mette. On ne peut pas être premier ministre si c'est Américain qui mette. Pour même un policier normal, là, il faut que c'est Américain qui mette. Donc, Américain qui a tout contrôle, que ça crée les classes politiques, là, que ça crée les forces répressives de l'État. So, donc, c'est États-Unis qui a préalé toute ficelle marionnette. Et ça a fait à moi, Julie, ces mêmes gens, ils ont fait au Congo. Pas mettre tout le monde, nous avons des bagailles dans le sous-sol. Nous, qui bon,
qui cap aider peuple haïtien sort dans misère, qui cap faire jeune pays américain États-Unis déclarer que ces réserves stratégiques li, que nous avons aucun problème avec ça. Son grande puissance li, son empire lié, s'il voulait, bagaille pas un problème. Moyennant que Haïti joue une partie par là avec compagnie qui a bien fait exploitation, yo, mais yo même c'est sous vol, c'est sous qu'un pays en bagaille bas pression, fait mon peur, fait mon couler l'amoyo. C'est comme ça, États-Unis voulait diriger Haïti. Et surtout, ils voulaient voir un exemple clair, bah, tout l'autre côté, que sous Batco, sous un vivre à poser dépendant, on va finir même avec Haïti. Je dis à moi, deal. C'est États-Unis, la France et le Canada qui responsable miser Haïti. Mais c'est quoi, par exemple, président, le plan? Parce que tout problème, il faut nous chercher une solution. Et qui solution? Ah oui, quelle solution? Qui solution même au gain? Quelle solution? Par rapport à déclaration sur ce fait là, ou reconnaître que c'est les États-Unis, le Canada, la France qui responsable douleur peuple haïtien, et mais ou même qui sont proposés comme solution en thème? On va rappeler dans l'histoire. Ok. Depuis 1806, États-Unis mettent un embargo sur nous. Un embargo criminel pour pas quitter Haïti sorti en salia là parce que exemple haïtien pas de bambou yo le devle combattre lui. Okay. En 1821 dans congrès Panama côté président Monroe t'a pral mettre doctrine Monroe contre des l'Amérique aux Américains. Yeah. Pour États-Unis t'a le chita là dedans pour discuter à tout l'autre pays et Amérique latine il était pas une seule condition. Faut que yo pas inviter Haïti parce que yo pas chita avec petit pays nèg noir ça. C'était condition président Monroe. Okay. Donc c'est pas l'haïsme qui est pour nous, haine qui est contre nous, c'est pas jodi à commencer. Okay. C'est janvier, histoire nous, jan défié, jan crasé et monde esclavagiste qui fait que monde ça a toujours un problème avec nous. Et jodi à là, capitaliste impérialiste a tellement vinn red même que monde ça va gagner encore devant misère, devant ça n'a passé comme nation jodi à là en Haïti. On comprend. Mais il y a solution. D'accord. Solution, hein, c'est nous mêmes haïtiens. Oui. Moun ki kwen nan Haïti yo, pou nou pa décourager, pou nou être mobilisé et pou nou continuer avancer parce que craser système n'est pas facile. Si c'était bourgeoisie haïtienne nan, si c'était ti classe politique corrompue et haïtien, si c'était ti police nationale et corrompue et haïtien, si c'était ti l'armée d'Haïti corrompue haïtien, nous te cap faire changement, j'ai pou nou faire. Mais nous pas battre avec ti élite corrompue ça seulement. C'est élite corrompue ça, c'est marionnette yo, c'est pour Américain, il a travaillé. Et m'doulim, prend toute responsabilité, moi. C'est la voie et monter nous encore une fois, m'baraï, l'Occident, m'ba vin balé moun mal ça. M'vin bon vérité. Alors, Jean pour nous sortir. Oui. Allô? Oui, Jean pour nous sortir, qu'on y a là, c'est ou bien peuple haïtien. Nous mettons garçon dans rien, nous faisons mobilisation. Et nous faisons révolution à la Sri Lanka, côté ces peuples-là. Ah, c'est ce peuple-là qui a des forces là, qui peut changer bagaille. Pas de aucun monde, pas de aucun force. N'importe quelle petite force, vous avez fait n'importe quelle bagaille, empire américain avec. Et à Colidio, il y a crasé dans le sang. D'accord. Et les sangs ont perdu toute chance. Non, nous ne pouvons pas prendre chance avec la bataille peuple. Ou alors, nous faisons la Sri Lanka, ou bien nous faisons tant que le Sénégal a fait là. Ok, Sénégal alors, sorti, alors, qui est dans le même problème avec nous là. Mm-hmm. Allô? Oui, on met parler. Ou bien nous faisons le temps que Sri Lanka fait là, ou bien nous faisons le temps que Sénégal soit fait là. Les Sénégal, ils connaissent que le système dans trois fois pour eux, ils pas qu'à bataille, j'aime bien ta bataille, ils pas qu'à faire un mouvement armé, ils pas qu'à faire une révolution armée, ils font une révolution avec le peuple là. Jeune garçon, jeune femme, ils mettent garçon sous, ils prennent pouvoir légalement, et qu'on y a, ils commencent la révolution qu'ils ont fait là. D'accord. Et président, attendez mon second. L'on parle à la Sri Lanka, ça veut dire que. Ou t'as demandé peuple là pour peuple là font invasion populaire. Ça veut dire pour peuple là descendre. Peuple là descendre, par exemple, devant palais et puis lui gonfler pour être lui des milliers de monde, pour ne pas dire même des millions de personnes. T'as dû descendre devant palais et puis qu'on y a même al et mette moun yo vle pour diriger là dans palais à directement. C'est ça vous voulez parler. C'est vrai? Yo pas besoin de mettre mon yo vle. Yo cap camper et faire le monde comprendre que peuple haïtien uni. Et le camper nous dit ça, nous pas prendre des autres ça. Attends nous monsieur, quand nous des autres pour États-Unis la gagne dans figi moun là. Pour prendre 9 nèg sans aucune légitimité. Pas gagne un qui pouvoir avec seule intention pour écraser en nation, pour écraser un pays. Ça c'est pour un manque de respect. Et m'a dit un bagage là président, depuis là yo monté là, me pensais que
yo pral gon mwa la, pi go bien on fait pour pays a, c'est dépenser l'argent. Pi go bien, yo même dire. Mais pas rien non. C'est quoi de dépenser? Ça va me faire rien. Parce que nèg ça pas de vision. Oui, bon, et même moun yo, c'est même moun yo. Donc ça veut dire que ou pas capable gon l'autre écraser depuis tout même moun qui est ministre, même moun qui est directeur de la banque, même moun qui moun système là qui est sénateur qui fait bagaille, c'est yo qui sous pouvoir là. C'est yo blanc choisi parce que blanc a un dossier sur yo, dit qu'a faire au marché, j'enlève. C'est pour ça blanc fait, il mettait moun popetwell, moun qui pas aucune légitimité, pas un peuple qui va copio, qui pas aucune force réelle, li ba en pouvoir pour connaître ces blancs, c'est eux même blanc qui garant pouvoir yo. Et pour blanc lui-même continuer faire chouer grave, voler, craser, piller, violer. Okay. OK, président Guy, alors ça me t'a dit là et option Sri Lanka s'il pas t'a passé, ça veut dire que kounya là ou opter pour option légale aller aux élections, mais on connaît tout aller aux élections donc pour aller gagner des barrages électoraux tels que par exemple, il y a que droit river non optique pour essayer bon canet ou pas penser à ça. Attendez, option Sri Lanka c'est les plus bons cap plus bon pour payer de toute façon. Okay. Pour peuple là lui-même l'immobiliser dans la diaspora dans Haïti et puis on dit pas dans ça mais qui Haïti on veut pour tout le monde comprendre mais Haïti que nous voulons comprendre que nous comprenons et nous connaissons raison que fait Haïti dans tout que il y a là. Oui. Et option Sénégal là son option B okay. Si, parce que ce matin on a battu avec un système, on a battu avec un bête chargé tête neuf tête en Haïti, ça prend de l'autre tête qui derrière d'ol. Donc faut que nous mettez en pile stratégie pour nous arriver côté bon rivière. Ça on veut faire aujourd'hui là, c'est faire nous décourager, faire nous perdre force, faire nous venir pas quoi dans bataille là, faire nous pas quoi dans bataille peuple là, faire nous comprendre que c'est eux force là, c'est eux qui a tout temps décidé pour nous. Mais c'est seulement par rapport à détermination nous, et courage et persévérance nous pour nous montrer que nous pas prendre des autres ça en main encore. D'accord. Et option Sénégal, soit dit par exemple. Et pour question élection, il y a un bon canet. Bien sûr que n'importe loi électorale y a fait là, c'est contre moi y a fait. Parce que blanc, si monsieur corrompu le métier là, yo, classe politique corrompu ça, yo, yo tout pas vrai, ouais. Yo tout peine parce que moi-même dis vérité, ya. Yo tout peine parce que moi-même banan confio. Moi-même yo tout peine parce que moi-même banan confio l'eau avec, yo. Le Sénégal, ou bien qui ça a fait, yo. Sénégal, une équipe populaire, ou bien ça le fait. Il connaît un bon canet. Il connaît un bon canet, ouais. Mais elle voyait l'autre monde. Moun qui a confiance, moun dit ça, c'est moi. Ah bien, et là, ma pense rejoint nous, président. C'est la révolution, ça. Tenez bien. M'a besoin de détails et stratégie, nous là, parce que nous avons une question à t'aider. Okay. Même bon garanti, nous prêts pour nous avancer, pour nous arriver, pour nous bailler Haïti. Ah bon. Que le peuple arrive. Ah bon. Parce que, tenez bien, président, mais ça m'a pensé dit. Par exemple, lorsque nous connaissons, eh bien, tout agrément, tout caïman là, qui campé à dans au dehors le ou la façon et bien pour yo capable déchirer mouvement qui gen dans tête li Guy Philippe et ces mouvements ça que peuple haïtien majorité silencieuse là campé derrière le ou la façon moi même gen nan bagay m souvent dit bon ici m'a tout ça m'toujours dit clairement et pour moi même j'ont dit problème nan c'est les États-Unis et m'pap dis qu'on vient m'pap couper soit dit ya. Mais problème Haïti, c'est haïtien lié pour moi. Parce que le pourquoi, président, m'a bon temps pour parler. Haïti, pour moi, voici les ennemis d'Haïti. Les ennemis d'Haïti, d'abord, c'est la classe des oligarques, les bourgeois corrompus. Deuxièmement, c'est les politiciens corrompus. Et troisièmement, c'est les médias. Parce que je ne dis pas, président, je ne dis pas clair. Moun qui plus ennemi pays en thème, je ne dis pas que moun qui campe contre là. Avec cette grande vision qu'on gagne pour Haïti, ou après c'est un pile conseil de journalistes machin de micro, on série de nègres qui campaient, qui toujours voye monter, qui a parlé, qui a dit ceci, dit cela, sans que yo pas gen fond bon dans ça que y a dit yo. Et me pense que c'est moun sa yo en quelque sorte qui responsable nan faire promotion et pour CP sa gen là, qui vient mettre nous côté nous y là. Par contre, qui sont pensés de ça me dire. D'accord, tout à fait d'accord que élite pas nan, que soit j'aime dire tout à l'heure là, yo tout nan bagay là, yo tout fait partie du système là et yo tout a travail contre intérêt peuple haïtien. Mais qui est-ce qui grand corrupteur là? Qui moun qui fait rentrer dans logique ça? En attendant, quand ti monsieur neuf nèg ouais ou mette nan conseil présidentiel là, qui force yo gen pour ta imposer tête yo pour rentrer dans le palais national pour un pouvoir nan pays ici? Qui force yo gen pour ta faire si c'est imposer yo?
c'est pas blanc qui est baillot parce que blanc assure que le contrôler tout ces services sécurité dans le pays. Il contrôle la médaille 100%, il contrôle la police 100%, il contrôle tout bagaille, il impose mon ça. Donc c'est pas classe politique là, non? Qui bonne conseil neuf tête là? C'est ambassade américaine, la France et le Canada qui bonne conseil neuf tête là et ont choisi petit pantin Caricom qui vous fait sale job là. Oui, ça c'est réalité, c'est vérité. Mais c'est d'accord, d'accord pour aussi. Mais d'accord. Yo d'accord pour signer, président. Yo d'accord pour signer parce que chaque nèg qui a là dans coulève cette tête là, c'est signer au signer, yo signer, yo ba autorisation pour force nationale de son pays. Bambo, les blancs ont choisi. Blanc choisi parce que il y a un dossier sous. Blanc choisi parce que son il connaît son petit vicieux ou pas faire battre devant l'argent. Blanc choisi parce que pas aucune vision pour Haïti, il connait pas accepter toute bagaille moyenne, correct sous pouvoir et qu'on gain privilège. Donc blanc choisi, moun li connaît pas cap dire non. Tout moun sa yo, pas gen aucun, yo pas bon du tout, nous connaît pas bon. Mais yo pas j'aime dire non, blanc connaît yo, c'est ça que blanc choisi là, peuple haïtien clair lui même. Peuple haïtien campé, il mandé changement, il dit mais qui route li vle pour changement là? Li vle imposer changement là, blanc lui même comme hypocrite par exemple. Cap dire c'est peuple haïtien pour décider. Peuple haïtien Haïti souverain. Ah, y a parlé de démocratie. Où est blanc respecté en quel principe démocratique là? Dans sa cap fait là. Alors blanc c'est soud li soud. Blanc c'est soit li soit. Li pas tant d'écrit peuple là. Que ce soit New York, que ce soit la France, que ce soit Canada, Chili, Brésil ou bien en Haïti. Tout partout. Y'a pas tant d'écrit peuple là. Y'a pas avec sa peuple là. Avec qui vous peuple là vle? Blanc imposé parce que blanc lui-même li sans état d'âme. Celle ça intéressé c'est bien-être mouna kaipal. C'est faire l'argent et exploiter si vieille ya. Si vieille yo. Donc c'est nous-mêmes haïtiens qui freinons. Mais pour nous freiner, il faut dire la vérité. Vraie cause là, c'est vrai que classe politique, que médias, ils font partie de système. Mais les gens qui aiment le système, les gens qui font le système, vivent, les gens qui dirigent le système, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique qui dirigent le système. Non? Et donc, plan essentiel qui t'a dû exécuter, c'est à la manière de Sri Lanka, pour peuple à lever, camper. Et puis, pour le peuple, lui-même, font bout. Et puis, il dit, mais qui moun gelvle? Et est-ce qu'il y a une stratégie pour s'arriver à faire président? Moi, je voulais pour tout le monde comprendre tout, que c'est pas une bataille qui facile. C'est pas une bataille qui a fait une semaine, dans deux semaines. C'est quoi pour une quoi? Et bataille pour ça, nous voulons pour nous arriver. N'a pas le temps pour le prendre, mais n'a pas arrivé. N'a pas arrivé parce qu'il y a un monde qui est prêt pour faire sacrifice ultime, si nécessaire, pour nous mettre Haïti sous route que l'IA. Parce que blanc, le plus souvent, ça le faut, il faut peur. Il montre que le cas tout yon, le cas craso, le cas mettre sanction pour yon. Nous, monsieur, des mouns qui pas fait bagay ça, qui pour prendre tête mouvement. Des mouns qui pas fait sanction, qui pas fait arrestation, qui pas fait l'amour, qui pas fait un qui a bien frise l'argent au bagay ça, pour eux même, yon fait travail. Pays, y a travail, peuple là. C'est tout ça, n'a pas de soupe. Y'a une bonne garantie. Nous, y'a un pile nègre là, avec un pile femme, tout ça là, pour ça même. M'a pas bagay non, moun yon, parce que yon va autoriser m'bay. Oui. Bientôt, nous connaît parce que nous étudié blanc et stratégie par l'ensemble avec soufflant tu Haïti. Ou bien raison dans ce sens-là, ennemi qui pas vle Haïti et externe, il n'y a pas besoin aucun côté pour faire si pas de ennemi en dedans qui a bon Haïti. C'est vrai, nous charger ennemi en dedans qui a bon Haïti. Et ça fait que nous-mêmes, nous avons mis des structures, nous avons bien mis des stratégies pour nous mener le peuple à côté, nous promettre que nous avons mené l'an. Si bataille a duré un mois, tant mieux, mais s'il dirait un an tout, n'a prenel sans camper, sans prendre souffle. C'est seul qu'on s'en cap sauver Haïti, c'est seul qu'on s'en guider pour nous faire Haïti sauter dans le système. Ça. Le système ça n'a pas bon, il a crasé nous, c'est humiliation, c'est la misère, c'est tout. Ou pas avec qui ça, les États-Unis, il fait. Quel problème Taïwan gagne, par exemple? Quel problème sérieux qui gagne dans le pays? Même l'Ukraine. États-Unis a parlé sous question souveraineté Ukraine, que la Russie va gagner droit faire ingérence ça. Mais lui-même, qui est-ce qui va le droit faire ingérence ça en Haïti, que l'appelle là? Il promet 60 milliards de dollars. Il promet Taïwan 7 milliards. Il promet Israël 14 milliards. Haïti, là, il dit, bon, 60 millions en aide. 60 millions en aide. Et il y a un équipe vieux chat. Dans 60 millions, il y a un équipe vieux tank, vieux chat, que Libye va le blé. Il te voit, au Libye, Libye dit, il va prendre, il va bon. C'est il y a bon là. Ça veut dire, dans 60 millions, dit, là. Ça veut dire, équipement que les États-Unis voyaient Haïti, c'est l'équipement qui a offert la Libye. Et puis Libye te dit non, il n'est pas d'accord avec ce quoi yo? Parce que yo pas bon. Ou ça veut dire équipement que ça yo qui en Haïti, yo, c'est pas de bon équipement yo pour même. Bambo, si Haïti, États-Unis te fait Haïti en sécurité, nous pas même besoin d'équipement.
police nationale, l'armée d'Haïti et tout le monde, nous sommes prêts pour Haïti sécurité. Il y a tout le monde pour Haïti sécurité. Mais là, nous connaissons. Si les États-Unis étaient si États-Unis étaient là, vous connaissez que l'ambassade a un rapport avec Daniel. Pas une semaine qu'il n'y a pas parlé, non? Pas une semaine qu'il n'y a pas parlé avec les responsables. D'ailleurs, vous voyez CNN, vous voyez tout les gros bagages et news, rentrez quand il y a. Alors, pensez qu'on s'est rentré. Donc, il y a un contact. So, ambassade yo gen rapport avec gang en Haïti, yo, pas vrai? Ou pas qu'on est que c'est madame Laline qui te fait fédération gang en Haïti? Ou pas qu'on est c'est lui-même qui demande pour tout nèg yo mettre tête ensemble? Ou pas qu'on est yo qui encourage, supporter et armer monsieur yo? Ou pas qu'on est fait tout jan pour faire que pour peuple haïtien pas jamais connait comment président Jovenel mouri? Alors, pense que c'est son hasard que vous venez en Haïti, vous prenez tout nègre que la justice vient pour tendre, qui vous venez témoigner, vous prenez à l'États-Unis avec vous, après vous douce secret d'État. Donc, je dis, vous connaissez pas que vous êtes le président, et Haïti va même connaître pour qui ça va condamner et qui ça va dédier. Donc, vous ne comprenez pas. Waouh. Bagala, un petit peu compliqué, oui. Mais, et président, une déclaration dans notre fait l'autre jour, côté que vous avez dit que. Et même nèg sa yo en parlant donc de l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou dit même nèg sa yo qui a assassiné président Jovenel Moïse, yo, c'est même yo même tout qui te kidnappé. Est-ce que c'est vrai ça déjà président? Et pas moi seulement dit non, archive yo là, il faut yo là. Algade photo pour ou après nèg yo derrière d'eux. Yo bien content, yo kidnappé un sénateur, yo crase un sénateur dans le pays au nom de la démocratie. Et puis après, même les gens qui sont venus là, président, les gens ne pas connaître. Mais les gens qui sont kidnappés, c'était bravo, gros agent d'IE, opération de la DIE, on va dire. Mais là, où est que vous tuez le président, bah, il a mal passé, ou vous ne connaissez pas les gens. On est eux-mêmes, les affaires d'opération, ils ont dit que c'est DIE, oui. C'est les gens qui ont dit la bouche. D'accord. Et puis après, je n'ai traite qui premier ministre dans le pays, traite là malgré le temps de toute information, il prend madame président, il mettait le nom avion, il voulait le bail même monde. Donc pour montrer dans qui ça nous prend dans le pays, dans qui complot nous prend dans le pays, mais nous sortons là-dedans, nous sortons en balle, même si il y a des gens sérieux pour tomber, mais nous sortons en balle. Et je crois dans la jeunesse là, je crois surtout dans la diaspora, dans la diaspora, nous ne pouvons pas arrêter nous ne pas besoin de nous, nous ne pouvons pas obliger de payer rien, nous comptons sur nous en pile pour nous aider, guider. Moun qui en Haïti, les jeunes qui en Haïti, pour nous, et ça ne cap fait pour nous sauver la République. Je dis à la plus gros bagaille en Haïtien, qui en a mis, plus gros salgain son passeport, l'apprenne pour la Chili, Brésil, États-Unis, ou bien c'est domaine. Plus gros outils au gain. Mais quand on a quitté le pays, faut que nous fassions bagaille pour nous empêcher ça, pour nous montrer que nous avons espoir dans le pays toujours. On bataille pour Haïti, on nous fait l'autre Haïti. Et on a fait, si nous voulons, et on a privé. Mais faut que nous mettions notre tête, nous faut que nous comprenions. Faut que nous comprenions. Dans la bataille que nous avons là, ce n'est pas contre si élite pour Haïti seulement. Ce n'est pas contre si corrompu Haïti seulement. Nous avons une bataille fait contre le système là, qui vient dans la tête de l'ambassade américaine, les États-Unis, et la France et le Canada. Ça veut dire pays ça a refusé que nous jouions route. D'accord, ça veut dire que tête. Président, une question m'a essayé de poser. Par exemple, nous connaissons que nous avons quelques ennemis farouches. Donc, yon là d'ailleurs, c'est Pierre Espérance. Moi-même, le fait que je connais un peu concernant la loi internationale, tout ça, Pierre Espérance parlait de question, par exemple, où tu es plaidé coupable aux États-Unis, ça c'est une bagaille empêchement qui a empêché que vous veniez président pays d'Haïti. Mais moi-même, je réponds pour me dire que yon moun qui doit prendre un deal, par exemple, les moun dans un tribunal aux États-Unis, moun n'a pas forcément comme si ça dit de l'IA, c'est vrai. L'IA doit prendre un deal et puis ils sont pli deal que l'IA prend. Est-ce que c'est ton pli deal ou tu prends président? Bon, premièrement, je dis que États-Unis, c'est kidnappé ou kidnappé un sénateur en fonction en Haïti. Un kidnappé élu que le peuple a choisi qui pourra le représenter. Donc dès lors, son kidnapping n'y est. Tout ça en kidnapping. Alors si ils reprennent et puis ils disent avocat pour me le bout là, faut bomb ça et par exemple bon, faut bomb $50,000. Avocat là pas balil pour le cap mettre dehors et sauver la vie. Okay. États-Unis te font bagaille délinquant. Ils rentrent dans le pays, zami, ils kidnappent un sénateur. Le la loi dans le pays a dit ça pas droit faire. Article 95 constitution protégeme, article 41 constitution protégeme. Tout pilote bagaille article dans constitution protégeme malgré tout au nom de la démocratie États-Unis violer toute loi ça. Alors, mon nom dit la parler de droits de l'homme, il parle que moi-même, comme citoyen haïtien, sénateur haïtien, moi, j'ai le droit que les États-Unis se kidnappent, le kidnappé. Si avocat me font plus de deal, je dis avocat merci encore parce que il sauve, me défache, oui.
Et on regarde, soit regarder dans le dossier, ou après que me fait un paquet de recours, côté me dit que l'avocat n'a pas de bon, pas de faire plus de deal, regarder au bout après toute motion. Oh, ça veut dire que vous êtes fâché, les plus de deal, t'es tombé, on pas d'accord, mais finalement accepter parce que c'est lui-même qui a méthodé beaucoup plus rapide. Je pas d'accord, je pas comprendre, je pas de venir. Mais on après que c'est seul nègre qui a kidnappé, que les États-Unis d'Amérique pas jamais bon droit pour me faire appel. Regardez pour vous, 8 fois. M'mande pour me faire appel, m'pas d'accord, m'dial en jugement avec vous. 8 fois, à regarder pour vous. Yo dit non, yo pas bon m'doit faire appel. Quand vous entendez, qui démocratie pour dire que vous pas bon m'doit faire appel? Ok. Yo pas bon m'doit faire appel. L'emdou là, c'est bagay public yo yé. Ou pas l'an bagay yo, on va écrire les pêcheurs, ou pas aller, ou pas regarder, ou après toute motion que m'fait pour me dire, pour annuler tete yo, pour mal en jugement avec vous. Yo dit non, yo pas bon m'doit ça. So, ça veut dire que vous demandez pour aller en jugement, il n'y a pas de bon droit ça. Plus que 8 fois. Plus que 8 fois. On va regarder lui. Mm-hmm, après toute motion, on fait pour me dire que et parce que l'avocat n'a pas de bon, il n'a pas d'intérêt, il fait ici un bagage avec les États-Unis. Pas d'accord, pas de d'accord avec ça. Yo. Yo dit non. Okay. Non seulement il dit non dans Florida, et maintenant ça crée 11-28 dans Atlanta. Il dit non. Maintenant, Cour suprême États-Unis, il dit non. Moi, fait encore, il dit non. Yo pa jam bon doit faire appel. Ça été vu à c'était en Haïti. Si c'était en Haïti, on ba on nèg doit faire appel. Comme ça t'a dit, Haïti pas respecter la loi, pas gagne la loi. Mais yo même yo dit yo pa bon doit faire appel. Yo et puis yo camper red d'elle, yo pa bon doit faire appel. Waouh. Ça veut dire c'est j'aime dou là, m'dou al sous pêche, al sous bagage public yo, ou pour lui, ou que 8 fois. Ça veut dire seul choix t'es gagné, c'était accepter pli dit là. Pour être capable de jouer une libération beaucoup plus bonheur que ça. Non, je ne vais pas accepter de le dire là. C'est ça qui me fait émotion. Yo. Oui. Le seul choix de gagner, c'est que la raison du plus fort, c'est le bon. Il y a une force, il y a un système, il y a dit, je vais faire 7 ans. Point. D'ailleurs, c'est ça qui fait, on va quitter le verbe. Il y a dit, je vais faire 7 ans. Donc, et de nos jours, nous connaissons que, par exemple, il y a un pile, et les gens qui les ennemis de Guy, d'un pile ennemi, un pile monde qui a parlé comme si des faroucheurs, qui a parlé comme si d'une façon ou d'une autre, et a parlé d'une manière comme si et ce monde ça a campé en quoi, comme si il parlait Guy Philippe parti. Et que là-dedans, il est venu visiblement. Il a parlé là-dedans, il est allé à ma propre espérance. Mais qu'on y a, on prend. Donc, déclaration, et gagnons influenceur, m'gondna de parler de lui, m'gondna de outanel bien, monsieur John Colin Morvan. John Colin Morvan, monsieur, bon, monsieur même, il a parlé de où son bagaille. M'pakon est-ce qu'on parle de personnel là, monsieur? Est-ce qu'on parle de personnel? Regardez, président, est-ce qu'on parle de personnel à John Colin Morvan? Bon, m'pap répondre moun ça. D'abord, après m'pap, j'aime perdre du temps répondre ni Pierre Espérance ni Morvan. Parce que moun yo, l'on son éléphant, les fourmis à Bomedo, ou pas descendre avec les fourmis, t'as la rentrée dans les oreilles. Donc, lorsque les fourmis à Bomedo, ou pas descendre avec les fourmis. Ou pas occuper. Mais c'est ça, les fourmis. Next, c'est les fourmis, ils ont besoin de faire attention, prendre attention, faire views, et puis ils ont besoin de répondre, puis ils rentrent dans les oreilles. Je ne vais pas avoir l'opportunité de rentrer dans les oreilles, même pas parler de monde, ça, on ne va pas mentionner. Pour moi, il n'y a pas rien. C'est un gros paquet là-dedans, même aussi que. Et dit on l'air qu'on y a fait révolution par Bluetooth et moi te ba une réponse tout ou te dit que révolution et pour bagaille qui fait du jour au lendemain ou te même prend référence révolution Castro qui te prend un nombre de temps avant que le réel. On y a pas comprendre ça que révolution, on y a pas comprendre ça révolution, l'aime du influenceur ça yo. Yo pas comprendre mot révolution pacifique là. Yo pas lire révolution dans différents maintenant. Yo pas comprendre révolution mentalité qui me fait États-Unis. Yes. Yo pas comprendre révolution Mandela fait Afrique du Sud là. Yo pas comprendre ni parce que moi ça vous connaît. Moun t'a payé yo, k'a ba un petit cop, k'a financer yo dit tel bagage yo dit. Yo vite répéter. Mais tout le monde qui connaît, yo connaît en révolution son bagage parfois prend pile temps. OK. Révolution pas non, au contraire, c'est 5 mois seulement bien. Nous font pas quatre chemins déjà. Nous faisons pas quatre chemins depuis le mouvement révolution, nous mettons dans la rue. Et nous privé, côté nous promettre peuple que nous privé. C'est ça que fait moi-même comme responsable. Je ne vais pas venir occuper le monde, je vais mettre devant. Je vais libérer pas au prince, je vais prendre béton, je vais faire tel bagage. Mais oui, je vais me devant, je vais mettre quelques nègres là dehors, nous faisons action. Et puis, États-Unis, tout crase, tout mouvement. Parce que c'est eux qui ont force, nous ne pouvons pas avoir force. Plus que Mounsa, c'est eux qui ont monopole, force ça, force qui a tué le monde, qui a détruit le monde. Et next ça nous wè yo, nous wè yo dans le monde, nous wè yo en Haïti, yo m'ap hésiter, tout le monde qui met système yo en jeu.
Est-ce que alors nous même faut que nous intelligents, faut que nous pensions bien, faut que nous mettions bonne stratégie. Parce que révolution c'est pas pour ego mnier, c'est pas pour Guy Philippe lier. Mm-hmm. C'est pas une question de ego, c'est une question de peuple moi qui a passé une situation. Moi je dis moi qu'à retirer avec équipe pam nous obliger penser bien, mettre bonne stratégie pour nous retirer peuple là de façon définitive pour ne pas jamais tourner encore dans bagaille ça yo. Ne pas venir faire aucun petit bagaille show business, venir faire quelques actions, faire une révolte, pas venir faire révolte. Nous venir faire une révolution. Il faut évolution. Alors, président, n'a continué fait s'y parler toujours. Mais grande question pile moun a posé, parce qu'on est moi-même nous dans la diaspora, dans la diaspora qui posait question ça. Nous, ouais, par exemple, après que Ariel fin allé, Ariel, par exemple, quitte pays a, yo kebe Ariel à l'étranger, et pays a te gon vite là-dedans. Ça veut dire que te gon grande possibilité. Par exemple, si ou t'as fait un bagay, pour te faire. Qu'est-ce qui fait, par exemple, dans la période ça, ou pas rentrer, parce que nous on est militairement, mentalité militaire là, moun koyea. Donc, c'est rapport de force, c'est force, c'est âme. Qu'est-ce qui fait, pas rentrer, et puis justement, prendre pouvoir dans la période ça. Et qu'on peut estimer que c'est une meilleure période, c'est une meilleure occasion qu'on te gagne pour te prendre pouvoir en Haïti. Mais je ne comprends pas le message. Moi, premièrement, c'est une révolution pacifique que moi-même, moi prenez. Okay. Deuxièmement, c'est le peuple à m'apprendre. C'est le peuple là qui peut faire révolution. C'est le peuple là qui peut mener révolution à côté pour le rivière. Okay. De toute façon, c'est le peuple haïtien qui peut prendre la décision. Bon, là, on dit David. L'ambassade américaine, c'est pas le premier ministre en pays d'Haïti, c'est pas le chef qui va là. Qui est-ce qui contrôle la police nationale d'Haïti? Qui est-ce qui contrôle? Ou bien, depuis le peuple après la police tire sur Mounio pour tuer Mounio, men? Ou bien, l'armée d'Haïti a campé là. Comme tu l'ambassade là, malgré ces ambassades ça, qui te mette plastique, humilié, qui te crase, qui te démobilise, ou pas comprendre que force coercitive pays, il y a peut-être, mais pas comprendre ni. Pour ministre justice, c'est États-Unis qui mette le, ministre défense, c'est États-Unis qui contrôle le, toute force pays, il y a pour camper avec le peuple là, aider le peuple là, craser le système là, il y a tout ce tu le système là. Dès lors, quel que soit le mouvement, tu es prêt, tu mènes le peuple, tu as mené le peuple à la boucherie. Même Jean, en 2004, moi, t'ai dit, je te promets que je ne vais pas prendre pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire. C'est comme ça encore, je dis à ma vie, je ne vais pas prendre pouvoir sous 100 peuples. Je n'ai pas besoin de pouvoir, je ne vais pas mourir pour pouvoir, je ne vais pas courir pour pouvoir. Je vais faire un offre pour ministre. Nous avons un offre, nous avons deux, trois ministres, nous avons un directeur général. Si je demande de négocier là, il y a trois comptes pour me négocier, pour me vendre dans moi. Non, il faut que des gens qui ne peuvent pas contrôler. Non. Il n'y a pas qu'à dire qui j'ai pour mener bataille. Nous, c'est nous qui avons fait stratégie. Ce n'est pas moi qui a dit qui bataille pour me faire. C'est moi qui dis peuple. Mais ça n'a pas fait. Moi, grande équipe, il faut m'assurer que mener peuple vers la victoire. Je ne vais pas venir faire une victoire à la Pyrrhus. Je vais venir pour nous faire une victoire tout bon, pour nous faire changement en profondeur que nous promettons le peuple haïtien. Donc, même lorsque ouais, Ariel n'est pas là, mais l'ambassade américaine qui contrôle toute force, les âmes qui viennent dans le pays, quelle est la police nationale? Quel est le dans la médaille, quel est le petit monsieur qui a dans la rue? Oh, ça veut dire qu'il a contrôlé toute force d'âme qui est dans le pays net. Ça veut dire que toute gang qui est dans le pays, Ariel a contrôlé tout. Et ma pas les États-Unis, il a contrôlé tout. Alors, même moi, c'est son hasard que nous avons toutes les âmes dans la main. Quand est-ce que les âmes sont sorties? Dans quel pays sont sorties? Quand est-ce que l'argent pour tout le bail est acheté? Qui joue pense que jeudi, quand le bail commence à marcher, ou est-ce que c'est un petit calme qui fait? Mais si tu attends des bons bagages qui vont voter dans l'ONU, ou tout pays a tombé en sang, en feu, il a tué moun, il a porté kay moun, il a crasé moun. Ou pas, ouais, bon moun qui a pris les marionnettes là, qui a fait marionnettes là bouger. Okay. Ça veut dire responsable situation pays a, il n'y a pas l'autre que les États-Unis d'Amérique qui responsable tout sa pays a tombé la donna pour le moment. Donc ça veut dire que, et président Guy, et pendant que tout bagage s'est passé, ou même on a examiné, ou même on a travaillé, ou même on a planifié comment, par exemple, pour capable de retirer le pays dans la situation qu'il est là, n'est-ce pas? Nous avons une grosse équipe, nous avons une belle équipe, nous travaillons, nous avons des gens qui sont agronomes, nous avons des gens qui sont dans le bureau des mines, qui sont dans le bureau des mines, qui sont côté nous, qui sont côté l'eau, nous sommes côté l'iridium, nous sommes côté Sagnien, parce que nous avons une promesse peuple dans le bon pays, si vraiment, si l'on arrive, nous ne pouvons pas rien. Nous avons une belle équipe qui a pensé, nous avons une belle équipe qui a travaillé, et nous avons travaillé, et nous avons mené le peuple à côté, nous avons mené le peuple à côté. Mais nous avons besoin de participation, peuple, il faut que le peuple soit actif. Le propre changement. Faut que la vie tourne moteur changement. Parce que vicieux, ils prennent contrôle de l'État. Ils ont volé, ils ont pillé, ils ont gagné l'argent dans la main. Ils ont fait ça, ils ont contrôlé la presse. Ils ont brainwashed les gens avec vieille presse. Mais heureusement, nous-mêmes, tous les réseaux sociaux, ils sont bons.
Nous avons des médias en ligne, ils sont bons, ils sont même permettent nous de dire la vérité. Nous connaissons que presse traditionnelle là, il y a très peu de monde là-dedans, très peu de journalistes qui peuvent camper en face du système là, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin de job, ils n'ont pas besoin de réclame, elle n'est pas facile pour les gens sérieux dans la presse. Donc c'est dans les médias sociaux, les médias en ligne, c'est pour aider nous. C'est ici dans la diaspora, vous parlez avec les gens qui peuvent prendre des bagages, qui a travaillé, qui gagne un père pour compte, c'est pour aider nous faire conscientisation ça en Haïti, pour que nous comprenions que oui, n'a mené ou non ça ne mené ou non Haïti que nous menons révolution a fait route li li prend petit temps li ralenti système n'a frappé nous mais pas occuper mon cap dou que oui Ariel pas là pour me rentrer rentrer vinn faire qui ça vinn prendre pouvoir comment à coup d'zam m'cap bien plus zam que États-Unis d'Amérique m'cap bataille avec la France États-Unis et le Canada ou pense que t'as jamais accepté ou t'as tendé dans toute CNN ancien drug dealer Guy Philippe ancien terroriste Guy Philippe ancien délinquant Guy Philippe ou t'as tellement déclassé mouvement n'a vinn mettre peuple en plus misère que peut moi y connait là m'pa vinn faire rien et tant que m'fait mon ouais m'pa vinn faire showbiz moun ki vle parler ki te parler m'promet on fait promesse à peuple moi vle bay vinn pour peuple moi m'a bay li côté pour rivé à cela la menel côté me promettre à cela la menel et m'bon garanti bon équipe sérieux qui travaille pour mener Haïti côté le supposé rivé d'accord et président qui fait juste avant quoi aller y une dernière avant dernière question et ou contre déclaration côté fait ou te parler de amnistie pour les gangs. Et l'autre parle de amnistia, m'pas connait c'est moa dans contexte côté utilisé là et d'après un pile moun yo pas toué ça on ti jan bien. Est-ce qu'on ka plus ou moins clarifier question amnistia pour nous même qui dans diaspora sur le motivateur en pile moun k'ap tande là en pile moun qui va vivre interview là. Est-ce qu'on ti jan beaucoup plus clair parce que là nous connait qui sa bandit fait pays ça et actuellement là qui sa bandit continue à faire population haïtienne yo pas jamais touyé un oligarque yo pas jamais touyé un bourgeois c'est toujours ti nèg noir y a touyé alors que tu parlais de amnistie et c'est une bagaille qui t'a choqué en pile monde qui sont capables de dire de ça et président Guy Philippe premièrement m'a dit que m'a bay amnistie pour gang moi dit que faut gagne amnistie okay. Pour tout le monde parce que Haïti malade. C'est nous tous haïtiens crasés Haïti qui mène Haïti côté lié là. L'aime dit nous tous monde qui a une responsabilité pour sauver pays. Amnistie à lui-même, c'est pour ta coup de nèg, OK, ou t'es kidnappé, ou t'es tué, ou t'es violé, qu'on y a nous ni sous libre. C'est pas ça qu'amnistie. Amnistie c'est sacré d'abord commission de vérité. Faut ou vienne dit peuple là mais qui sont faits, mais qui mal ou fait. Nous t'es kidnappé tel monde. Moi t'es boulé combien monde en machine. Maman avec des petites. Nous t'es fait tel bagaille. Mais même monde qui m'aime zam nan. Même monde qui demande me faire. Même monde qui devrait me faire kidnapping nan. Mais qui ça fait avec l'argent? Le ça, l'on passe devant commission vérité, la justice a sévi, a dit OK mais ça la justice dit que pour faut, il y a folie. Okay. Mais si vous collaborez, tout aider l'état pour craser problème ça. Pour problème ça pas jamais tourner encore. L'état qui a bon chance pour intégrer dans la société. C'est ça amnistie. Je dis à l'ambassadeur français par exemple qui a critiqué amnistie et pourtant la France c'est le premier pays qui fait plus gros bagarre amnistie avec l'édit de Nantes avec Henri IV pour sauver la France. Donc je pense que nous même en Haïti nous pas prendre des mesures pour nous sauver Haïti. Deuxièmement, amnistie c'est pour le monde par exemple qui vole les copes Petro-Caribe ou qui vole les copes là aux États-Unis Josia ou Saint-Domingue ou acheter un paquet d'hôtel ou acheter un paquet de gros caille gros bagaille nous prier pour nous pas donner moi ils nous remettre nous cob Haïti qu'on volé là nous prier pour nous avoir l'autre chance moi ils nous remettre nous sont volé pour nous venir investir pour pays pour nous créer l'hôpital pour nous créer route pour nous faire bagaille pour nous faire développement pour pays ou t'es dans cob reconstruction Haïti ou voler cob après tremblement de terre là 4.5 milliards de dollars remettre nous cob là n'a bonne chance. Ou même qui est dans BMPAD, ou même qui est dans vol et cop coopérative, nous prêts pour nous donner pour une bonne chance pour retourner dans la société. Moi, je ne reconnais pas tant fait. Parce que, quel que soit genre, on joue justice à obliger ses vies. On va continuer à parler. On va continuer à parler. Je pense que c'est comme ça, pour nous construire métro, pour nous faire route, pour nous faire l'hôpital, pour nous faire université pour tout le monde. Troisièmement, même la France, là, qui a parlé à l'État-Unis, amnistie en Haïti à bon bruit, où tu fais trois siècles, où tu fais nous tant qu'esclaves, où tu fais un travail, où tu violes maman, où tu violes petite nous, où tu crases nous. On a oublié ça. Moi, je ne remets comme où tu voles pour reconnaître l'indépendance. Moi, je ne remets nous comme ça parce que nous avons besoin pour faire développement. Ou même qui est États-Unis, mais sauf fait.
ou te vin la en Haïti, ou prend réserve d'or nous, ou crase pays, ou humilé, ou met ton système ségrégation de 1915 à 1934, ou faire vin un problème noir mulat, qui te résout, qui te passe, ou vin faire problème ça, retourner dans le pays, nous voulons pas donner tout bagage ça. Ça mais moi, non, suspendre notre bouchou, dans la politique interne pays. Donc, amnistie, son bagage global lié, en façon pour nous réconcilier. Nation avec tête li. Faut gagner amnistie et me camper derrière amnistie. Ça veut dire que vous voulez parler là en termes, et moi-même peut-être, je pense que réconciliation nationale là serait le meilleur, mais comme vous utilisez amnistie, même plus vous va parler dans le cadre de une réconciliation nationale. Amnistie, c'est lié. Pour mener une réconciliation nationale, on peut aller. Ou pas qu'il y ait une constitution nationale, c'est pas une justice, non? Et moun qui a moun yo tué, yo kidnappé, yo prend kayo, yo crase kayo, et moun bandit tout yé mal, et moun la police tout yé mal, et moun yo fait tout mal ça. Alors yo pral kampe gado, kap bay bourreau, yo amnistie comme ça? C'est seulement le nous fait commission ça. Moun qui te victime yo, pour l'état dédommager yo. Pour nèg qui te bourreau yo même, pour yo aider nous comprendre complexité problème ça en Haïti, pour problème ça va pas arriver encore. Nèg qui corrompu yo, kap volé depuis combien de temps yo, pour yo montrer une carte. On a la qui manque qui aide, qui est qui aide, pour pas essayer de suspendre. C'est ce genre, il n'a pas brisé dans le dialogue national, dans l'entente nationale pour parler. D'accord. Et président, on l'autre bagaille, n'a pas fait, faut y parler de lui. Je dis à la, nous connaissons qui va les misère et Haïtien passé en République Dominicaine. Sous premier mandat, Abinadel là, et nous apprenons hier, eh bien, Abinadel réélu encore comme président, eh bien, République Dominicaine. Qui sont pensés de bagaille ça, président Guy Philippe? Moi, je pense que c'est une raison en plus pour nous-mêmes haïtiens pour nous prendre contrôle d'Haïti, pour nous faire développement endogène dans la réalité, pour nous créer conditions pour haïtiens pas obligés de quitter le pays, pour nous créer conditions pour monsieur Brésil, Chili, États-Unis ou Saint-Domingue ou la France, si vous voulez tourner dans le pays, pour qu'on puisse tourner dans le pays, pour qu'on ait au cap de vivre. Nous ne pouvons pas faire même valeur comme, même valeur avantage pour le pays, mais nous ne pouvons pas permettre de vivre avec décence, avec dignité dans le pays. Moi-même, affaire Abinadel qui est président, ça même, ce point, parce que nous connaissons tout problème, nous, ce n'est pas Abinadel lié. Tout problème, nous, c'est corruption qui est en Haïti, c'est mauvaise gouvernance qui est en Haïti, c'est nous-mêmes, dirigeants haïtiens, qui peuvent créer conditions pour le peuple nourrir de la caille, pour tout le monde nourrir de la caille. Donc, c'est sous ça que nous travaillons. Comment, qui s'en vient dans le sous-sol, nous? Combien de l'on gagne? Combien de bagages iridium nous gagne? Combien de cobalt nous gagne? Combien d'argent vraiment vrai nous avons fait dans le sous-sol? Est-ce qu'il y a un pétrole vrai? Avec qui compagnie nous avons négocié pour nous comment nous avons fait rentrer, pour nous créer richesse et pour nous permettre que le peuple nous vive avec dignité dans le pays? C'est comment on va le faire pour nous suspendre, importer du riz, importer bagaille nous avons fait en Haïti, parce que le développement endogène n'a pas en réalité. L'État a mis des banques de crédit agricole, l'État a mis des magasins de l'État, l'État a mis une affaire sociale réelle qui pourrait aider la population, aider souffrance, aider les gens dans les zones défavorisées. C'est comme ça seulement qu'on a construit Haïti, hein? Nous avons fait peuple nous rentrer, et puis pour tout problème qui a passé, que ce soit le Saint-Domingue, que ce soit le Chili, Brésil ou États-Unis. Donc Abinader président, ça va faire ni chaud ni froid, parce que nous-mêmes, dans l'équipe là, nous connaissons. Que c'est pas moun sa pour venir aider le peuple nous. C'est devoir nous, pour nous assurer que le peuple nous ka vive dans le pays. Ok. Et président, excusez, je dis à ma papa, ma koun ki le mapke chanske ou encore, et sous plateforme et Le Motivateur, gou bagay ou parle de li, non interview kote fè, ou te di quoi, si nek bon oppression dans le département de l'Ouest là, yo kembe en roi, ou même nous pas de problème, nous même pour nous mettre plusieurs autres groupes moun ou bien l'autre gouverneur dans plusieurs départements dans le pays. Et moi-même, j'ai un système nous connaît qui bat Haïti en pile problème. C'est le système démocratique avec question premier ministre. Je dis à la Nabgale, comment est-ce que eh bien, pour seul poste premier ministre, j'ai environ plus que 200 candidats qui viennent. Et là, nous connaît côté corruption, commence dans le pays. Il commence à partir de choix du premier ministre. Et il y a un pile monde qui ouais pour Haïti, tu es capable de sortir dans sa lié. Il faut qu'Haïti ait un système fédéral. Côté que, il y a un président qui a un vice-président ensemble avec lui. Il a fait campagne ensemble, il a mené campagne jusqu'à ce qu'il vienne élu. Et puis, il vienne élu. Et puis, complètement pour Haïti, chaque département est capable de gagner un gouverneur dans chaque département pour être capable de développer le département. Parce que je dis, il y a un plus gros problème qui gagne. Haïti, son pays riche, Jean Wabdil Lala. Il y a un pile de bagaille nous gagne dans le sous-sol. Nous, si nous avons gagné, il y a un système fédéral qui est très bon pour nous. Qui sont pensés de ça, et président Guy Philippe? Moi, j'entends un peu le monde, il y a des gens qui ont une équipe qui a une question du système fédéral.
Nous connaissons que le président Préval, sous présidence, il y a des gens qui t'a parlé, que ça était presque en réalité. Et nous avons travaillé, et j'aime de la nouvelle équipe, nous avons pensé, et nous avons vu avec solution et qui est bon pour le pays, pour nous offrir le peuple là, pour si le peuple a voulu, à travers un dialogue national, j'en dis là, une confiance nationale souveraine, pour le peuple à voter et accepter les 10 mains qui s'alvent. Oui, je pense que le bon, je pense que Port-au-Prince, toute bagarre est concentrée dans Port-au-Prince, il faut que nous déconcentrions l'État. Et c'est ça que fait, dans l'équipe, nous, après, et depuis la dernière élection, nous avons promis le peuple là, que dans le budget national, depuis le budget national, nous avons fait que 15% dans le budget national là, pour mettre comme ça, sous compte mairie directement. Ça veut dire que ce n'est pas le ministère intérieur qui va débloquer un coup la mairie, ce n'est pas l'État central qui va décider est-ce qu'il a aidé tel mairie ou bien non, selon si mon dans le parti politique ou non. C'est directement, depuis le budget à fin de voter, il y a 15% qui va aller pour mettre des cobs dans la mairie. Ça veut dire que chaque magistrat, chaque civil a au moins 100 millions de gouttes. Non, budget. 100 millions de ça pour tous les jeunes qui étudient, qui ingénieurs dans la zone, qui agronomes dans la zone, ils ont même présenté le projet dans la mairie. Ils n'ont pas besoin de présenter le projet dans le ministre, dans le ministère, dans la direction générale qui a encouragé la corruption. Ils ont présenté le projet pour le développement de la zone, section communale, commune, directement dans la mairie. Et laisse à votre député, qu'avec, si ce système s'accampé, a joué rôle, contrôle, pour pas gagner vol. Faut en toute transparence, pour les cobla débloquer, au fond, qui est-ce qui débloque cobla, qui sa cobla fait. Donc, moi, je pense que oui, le système fédéral a câblé un bon bagaille pour nous, surtout, là, nous finissons habitués dans la République de Port-au-Prince, qui contrôle toute bagaille, qui organise toute corruption, et qui fait que pays, qui peut être responsable que pays n'a côté, dérivé côté de rivière là. Okay. Mais je vous garantis que nous travaillons sur ça, nous pensons sur ça, nous avons des gens dans l'équipe qui très remet idée en République et que Haïti pour l'État fédéral, mais nous-mêmes tout, et nous avons gardé. Et qui est-ce que le peuple a décidé, ce n'est pas nous pour une grosse décision, ça, de même pour décision couleur de la peau, bah, ça va toujours diviser. Et pays, nous pensons que c'est le peuple qui fait choix ça. D'accord. Et président Guy, jodi a là, et nous avons gardé la constitution haïtienne, la constitution 87 là. Nous avons un plus gros et problème Haïti, c'est la constitution. Et moi-même, souvent, je prends ça même. Moi, avant l'élection, il faut être capable de gagner une réforme constitutionnelle. Parce que je dis à l'en regarder, nous avons diaspora, la diaspora qui représente le mot de pays. Pas bien, même c'est dans la diaspora. Donc, plus fort l'argent, je dis à si Haïti a survivre là. C'est la diaspora qui permet Haïti à survivre. Et tandis que, je ne dis à yon moun ki américain, qui gagne un passeport américain, qui naturalise comme américain, li pa ka participer dans la décision qui prend pour changer la vie pays. Donc, nan pil nan nou wè comme si réforme constitutionnelle là, son bagage qui fondamental, même avant les élections. Yon nan raison pour laquelle, c'est parce que, question élection, je veux dire, dans le pays d'Haïti, qui peut le mener, qui peut le même système. Parce que lorsqu'on vient de président, même Jean Mapsongé, président Matéli, il dit, leur président va connaître, leur président va ouais, parce que je veux dire, avec le système qui est là, on est qui un président tant qu'on propétuel. Parce que sénateur, député, le président peut le pour le nom de mon premier ministre. Et le premier ministre a plus facilement sorti dans le secteur privé. Et nous connaissons côté corruption, sorti dans 20 postes, dans 20, je dis, à grand démagogie qui a passé la douane. Côté que on est pour nèg la directeur APN, il faut pipi 300 000 dollars pour acheter un poste. Et puis 75 000 dollars par semaine, dans pile gagote dans le pays. Donc, est-ce que l'IPAT est bon pour que, eh bien, nous prenions ça créer yon vrai. Et ça crée les réformes constitutionnelles pour nous avoir l'autre constitution qui pour rentrer diaspora en dans affaire pays et pour que pays soit capable de sortir dans sa lia président qui vient. Oui, je pense qu'il faut une réforme constitutionnelle qui fait. Dans le président Jovenel, il y a une commission qui a travaillé qui est arrivée loin sur la question réforme constitutionnelle. Il y a une raison, il faut que diaspora. Il faut que vous chance pour rentrer pour venir aider. D'ailleurs, où dit diaspora aider Haïti? Diaspora fait sauver Haïti. Parce que c'est seul diaspora qui a une aide réelle. C'est seul qui a une aide réelle côté aide là vraiment aller dans les gens qui ont besoin. Parce qu'elle voit directement les gens qui ont besoin, ou bien famille, ou bien ménager, ou bien amis. Donc, les gens qui ont nécessité, ils ont joué une aide ça directement. Donc, diaspora, c'est le Kembe Haïti. États-Unis, tout le pays a été capé de nous. Qui aide yo bon? D'ailleurs, plus bon aide, nous même nous disons l'équipe, non, plus bon aide États-Unis qui a bonne jodi à là. Plus bon aide la France qui a bonne jodi à là, c'est pas bonne aide encore. C'est Dieu merci, pas bonne aide, nous n'avons pas besoin d'aide là.
On lit des caractères, seulement diaspora haïtienne. Mettez tête ensemble, tout bon vrai. Nous allons reconstruire Haïti. À l'instant de. On pouvoir sérieux à travailler. Un président qui montre le peuple que le vin travaille. Diaspora lavel. C'est nous, diaspora, que chaque transfert n'a pas un dollar ou bien deux dollars. Mais ça nous balle favel. C'est l'université nous balle favel. C'est route nous balle favel. C'est électrifié, n'a pas électrifié tout le pays. Diaspora a trop content d'aider nous. Diaspora a trop content d'aider comme ça. Bon, oui. Garantis ça. Diaspora trop content Bali, mais yo pa vle Bali pour se voler ou vin voler. Yo pa vle Bali pour négal acheter kay, pour négal acheter gros machine, pour négal bay fòm yo sa ou vle. Yo prêt pour yo Bali si yo konnen que ça aider mettre en Haïti sérieux sous pied. Mwen pa gen aucun doute que diaspora. Aucun doute que diaspora avec un politique de endogène. Nous ka retirer Haïti dans sa lia et n'a retirer Haïti. Et encore une fois mwen dil plus gros aide blanc américain qui a bonne jodi à la, ou bien blanc français, ou bien blanc Canada, c'est pas bonne aide encore. Aide y a bonne n'est pas bon. Aide y a bonne, pas bonne aide encore. Pas bonne aide. Nous avons besoin d'aide de qualité. Nous avons besoin d'aide de qualité qui n'est pas bonne. Qui aide mon yobo? Que je vais dire oui, il y a quelques bagailles. Il n'y a pas aucune aide de qualité. Non, aide nous besoin son aide qui a fait que dans 10-15 ans, Haïti n'a pas besoin d'aide encore. Nous avons besoin d'aide tant que son assistant à l'île. Chaque année, il y a assisté. Non, nous n'avons pas besoin de type d'aide, ça. Nous n'avons pas besoin d'assistance. Nous avons besoin d'aide de qualité. D'accord, ça. Et puis, nous avons besoin d'aide dans l'autre pays. Nous avons garanti le monde aujourd'hui à le multipolaire. Haïti a besoin d'aide dans l'autre pays. Nous chargeons l'autre pays pour aider nous. Et actuellement, dans l'équipe, nous en contact avec plusieurs autres mondes dans l'international, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'autre côté, qui n'a pas la veille pour nous parler au problème d'Haïti. Nous avons besoin d'aide. Haïti a besoin d'aide de qualité, d'aide dans même pays studio. On va obliger ces gros messieurs à avoir une aide conditionnée, on aide pour craser le principe souveraineté nous, on aide qui vous fait nous rester avec chaque jour plus, on assiste à nous. Donc encore une fois, sous cap, vous connaissez, plus gros aide américain, la France, le Canada, ce n'est pas bonne aide encore. On n'a pas besoin d'aide ça. Ça veut dire, président Guy Philippe, vous rassurez diaspora, vous rassurez jeunesse là, qui appuie vision là, que Haïti a sorti victorieux dans sa capacité là. Oui, je rassure tout le monde que nous sorti, nous avons gagné la bataille là. Et encore une fois, je dis bataille là, ce n'est pas un monde. Révolution, ce n'est pas pour un monde. Révolution, c'est pour nous tous. Si c'est moi qui fais, c'est pour nous dire que nous faisons et puis changer. Mais révolution va supposer mourir. Quel que soit le monde qui pense, il y a un peu libre sur révolution. Il faut que vous compreniez que révolution est plus grande que tout le monde. Et moi, je crois que les jeunes comprennent ça. Nous crois que la diaspora comprenne ça en pile. Et moi, en Haïti, il y a un pile de monde qui m'a mobilisé. Et si ce n'est pas le système crasé, ça, système délinquant, ça, système criminel que le grand ambassadeur a mis sous pied pour assassiner les gens, pour les gens qui sont dans la rue manifester, les comme ça, le système est tombé plate. Et moi, je garantis, de toute façon, le système a tombé. Soit j'ai fait tomber Sri Lanka, soit j'ai fait tomber Sénégal, là, mais le système a tombé. Système n'a pas tombé, ça veut dire que nous avons garanti que le conseil et présidentiel là qui là, il n'a pas fini de faire mandat et il a tombé quand même. Nous n'avons pas bataille contre le conseil présidentiel là, ou bien contre le monde, ou bien contre. Nous n'avons pas bataille contre le système. Ok. Seul garantie que le système n'a pas tombé, le système n'a pas tombé à terre plate, parce que c'est le gens pour nous jouer en Haïti que nous tous rêvons. C'est celle que pour Haïti, nous tous rêvons. Alors, qui message vous envoyez pour la diaspora haïtienne, président Guy Philippe? Moi, je dis, je connais tout ça, au fait. Moi, je connais les gens qui ont aidé Haïti. Si mon papa a un grand goût, dans toute la vie, c'est grâce à eux. Continuez à aider les familles, continuez à aider les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui ont besoin d'aide. C'est eux qui ont aidé Haïti, c'est eux qui ont aidé Haïti aujourd'hui. Moi, je dis, nous comprenons le sacrifice, nous comprenons tout que les politiques de Haïti n'ont pas jamais baillé, l'importance que vous avez supposé baillé. Mais la révolution compte ça, en fait. Révolution compte l'importance et la révolution compte sur vous en pile. Le peuple là, baille révolution au pouvoir. Le peuple là, fait ça rien pour le faire, pour la diaspora lui-même, il rentre et vient faire partie, et vient prendre décision. Dans nos pays, j'en sais pas, t'as dû faire. Même j'ai toute la diaspora à faire, que la diaspora qui est au Japon, que la diaspora Israël a fait, faut que la diaspora Haïti a rentré la Kaili et vienne aider à reconstruire le pays. Vienne aider à reconstruire le pays. Alors, dernier bagage, gagnez-vous, moi, après une grande manifestation qui a de fait en faveur de la révolution, hein? Est-ce que vous même au courant de ça, est-ce que vous avez pour valoir pour ça? Oui, moi, je connais 2 juin, il y a un gros mouvement qui a fait dans les États-Unis surtout.
Moi, je connais que mon Canada a toujours mobilisé mon affection. Moi, nous disons oui, merci en pile. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de support ça. Nous avons besoin pour l'international, tant de voix, peuple haïtien. Merci en pile pour le support, merci en pile pour mobilisation ça. Et m'espérer que 2 juin, que en pile haïtien est absorti dans la diaspora et fait administration. Tant de voix. Et dit administration, si vous-même avez crasé Haïti, Haïti n'est pas obligé de voter. Parce que ce n'est pas normal pour une administration démocrate. Qui a fait toutes les autres zéro. Il n'est pas normal son administration côté. Tout haïtien, 90% haïtien, voter démocrate pour son administration démocrate qui a fait des autres zéro. Il faut que démocrate connaisse que vote nous, et pas cadeau nous faire au cadeau. Nous avons négocié vote nous comme haïtien. Tant que n'importe l'autre diaspora fait. Si vous voulez nous aider, si vous voulez nous voter, vous même tout, faut que vous aidez nous. Donc, c'est pour nous suspendre, faire démocrate ou bien républicain, cadeau vote nous. Vote nous, c'est négocier pour négocier avec vous. Pour Haïti, pour peuple nous. Ça veut dire dans le mois de décembre, dans le mois de novembre, quand vient l'élection présidentielle américaine, yo, nous devons négocier pour nous comment nous voter, pour ne pas voter n'importe comment. Oui, pas faire cadeau de vote, non. Pas faire cadeau de vote, non. Nous ne pas être avec aucun. Ça, on fait pour nous. Ça, frise fait pour beaucoup comme ça. Pour chaque fois qu'il y a une élection, c'est qu'on a voté. On négocie votre nom. Ok, on a voté. Ok, on a voté. Mais qui ça, qui loi, qui gens, on va aller de Haïti, sur notre truc là. D'accord, d'accord. Eh bien, président Kivil, je pense que je me pose un pile question ou parler en pile ou confirmer que le 2 juin, il y a une manifestation en faveur et nouvelle Haïti. Ou tu as un dernier message ou tu as quelques numéros de contact et informations parce que je connais que il y a un site nouvelle Haïti et que ou même ou il y a une équipe ou a gagné tout ça pour supporter la révolution. Il y a un pile monde qui te pose une question sur ça. Mais même, je dis que tout autant que je vais confirmer un bagage. Ça fait, les mieux, tu as parlé de la question de juin. Et je dis, bon, moi-même, si pour me prendre une information, pour me partager dans le motivateur, faudrait-il que c'est mettre affaire à même qui, bam, ça crée les confirmations. Bien sûr. Et pas moi qui mette affaire, non? Hein? C'est des mondes sérieux dans la diaspora. C'est des mondes. Oui, moi-même, j'ai mis l'initiative là. Oui, mais faut qu'on soit l'initiative faut qu'on courant. Faut qu'on courant. Et j'aimerais que le tourner en réussite. Faut qu'on courant. Oui, j'aimerais que son réussite. Oui. Oui, la bonne pour nous. Oui. Faut qu'il y ait des voix, nous faut que nous disions, faut que des autres ça suspende, faut que États-Unis connaissent que Haïti son pays souverain lié. Trop sacrifice fait pour Haïti. Trop sacrifice. D'accord. Pour ne que penser au cap faire Haïti vienne tourner la risée de tout le monde dans le monde gonia. D'accord. Eh bien, président Abdou, merci. Le dernier mot avant de partir s'il vous plaît. En quoi dans pays nous, en quoi dans histoire nous. Et moi-même moi quoi dans peuple, moi-même quoi dans diaspora. Merci en pile. Girl pour moi, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout coin, quel que soit côté événement, Créole Promo là. Créole Promo, chapeau, félicitations, nous ne pouvons jamais bouquer, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix lui. Et moi, c'est Créole Promo SPS, fait choix par lui. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous êtes abonné avec Créole Promo, sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme là. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille Jean Yoya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans souffle. Ciao.